Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Culturel de juin 2018. Celui-ci, il y aura beaucoup plus de choses que dans le dernier, enfin beaucoup plus, un peu plus, et il sera plus diversifié par rapport à la dernière fois, il y avait beaucoup de mangas. Donc voilà. Alors, le premier, c'est un magazine, c'est Films. En fait, je l'ai pris parce qu'il y avait des posters. Bon, je l'ai lu, c'était très bien aussi, il parlait de films, de ce qui sortait au cinéma et tout. Et c'était surtout pour avoir les posters. Alors, les posters, il y a... donc, il y a ceux de Marvel, là. Il y a Avengers 3. Bien sûr, ils sont un format plus petit par rapport à, par exemple, ceux-là. Par exemple, alors, il y a Avengers Infinity War et Black Panther. Après, il y a The Shape of Water et Mary Poppins 2. Hop. Hop. Après, il y a Han Solo et Taram et le Chaudron Magique. C'est dommage parce que là, il y a marqué que Chewie. Et je sais qu'il avait fait des comme ça pour tous les personnages. Et je tombe sur Chewie. Bon, pourquoi pas. Après, il y a Deadpool 2 et E.T. Voilà. Donc, je vais les accrocher et je reviens tout à l'heure avec la suite. Et j'ai mis les posters. Alors, il y a celui-là, là. Donc, c'est Deadpool. Ici, il y a The Shape of Water et là, Han Solo. Et ici, où il y a ma collection Marvel, j'ai mis Black Panther. Alors, après... On va faire les DVD. Alors, les DVD, j'ai acheté Le Manoir pour 10 € que j'ai regardé et que j'ai bien aimé. Il surprend pas mal et le fait que ça soit des youtubeurs, la majorité que ce soit des youtubeurs, c'est-à-dire que tu connais déjà leur humour, du coup tu sais à peu près à quoi tu vas t'attendre. Du coup, c'est bien ça aussi. Et après, les Tuches 3. Bon, que dire des trucs 3, il me le manquait, alors je l'ai pris. Après, du coup, j'ai acheté 13 raisons why. Je savais qu'il y avait la série, sauf que de Netflix, sauf que je savais pas qu'elle était adaptée du livre. Et à la base, ça me tentait pas vraiment. Puis j'ai lu le résumé et ça a l'air pas mal, du coup je l'ai acheté. Donc après, avec les mangas, j'ai acheté, alors, My Hero Academia 3, que j'ai bien aimé aussi. Après, One Punch Man 2 et 3, le 3, j'ai moyennement aimé par rapport au 2 où j'ai bien aimé. Donc voilà, la vidéo est terminée. On se retrouvera du coup le mois prochain pour le Cultural du mois de juillet. D'ici là, ciao.